la moisson est abondante, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors ça veut dire qu'il faut vraiment que nous soyons redynamisés pour celle-ci, avec le désir aussi qu'il vienne nous redonner la niaque pour évangéliser, donc à travers un nouveau souffle spirituel. Et enfin, pour que nous soyons des témoins joyeux de l'Évangile. Et comment faire ? Alors, première bonne nouvelle, l'Esprit-Saint est de retour, celui de la Pentecôte. Ah bon ? Oui, celui qui a transformé les apôtres qui avaient peur et qui leur a donné cette audace missionnaire. Savez-vous que l'Esprit-Saint, c'est lui qui fait toutes choses nouvelles ? Sans lui, nous ne pouvons rien faire et avec lui, tout est possible. Eh bien, nous n'oublions pas que nous avons cet énorme cadeau que nous avons reçu, qui est le baptême, peut-être certains il y a longtemps, et que ce cadeau, ben, il faut le déballer, et il faut l'offrir, le partager, s'en réjouir. Et sommes-nous prêts à vivre cette nouvelle Pentecôte qui consiste à ouvrir ce cadeau et à le partager, à s'en réjouir? Sommes-nous prêts? Alors, cher Vincent, oui, et chers amis, oui, c'est possible. Et c'est la deuxième bonne nouvelle. C'est possible dans notre diocèse de vivre cette nouvelle Pentecôte. Oui, mais comment ? Oui, comment ? Alors rendez-vous à partir du 2 mai, les mardis soirs à Reims et les jeudis soirs à Charleville-Mézières. Pendant 5 semaines, pour accueillir l'amour de Dieu, accueillir Jésus Sauveur et Seigneur et accueillir l'Esprit Saint, ses charismes à travers un programme de louanges, topo et témoignages. Donc si on a bien compris, Babette, c'est tout un cycle. Et c'est important que ce cycle fait un tout, un ensemble, qui se conclut pour tous en présentiel le 8 juin à Rethel, jeudi 8 juin au soir, 20h, avec notre évêque, pour vivre cette expérience du baptême dans l'esprit, qui aura été préparé, anticipé et goûté et contemplé, accueillir Jésus et vivre de l'Esprit-Saint. Et donc, une troisième bonne nouvelle, c'est gratuit, chacun peut venir, sans problème. Et nous, vraiment, nous désirons que le maximum de personnes puissent bénéficier de cette belle expérience. Et donc, il sera possible de suivre ces soirées sur la chaîne YouTube du diocèse, en direct ou en différé. Toutes les infos seront disponibles sur le site du diocèse très prochainement. Et on se réjouit de vous retrouver.